New York, 26th of May, 1954. Un bref communiqué d'agence nous apprenait hier que Robert Capa, le plus connu des photographes de guerre américains, magazine Life, venait de trouver la mort en sautant sur une mine près de Fuli dans la région de Taïbin, au sud d'Hanoï. Je tenais à saluer ici la mémoire de l'un de ceux qui honorent la profession et poussent parfois l'amour du métier jusqu'au sacrifice total. Robert Capa, depuis 20 ans, n'avait guère cessé de courir le monde, la caméra en main, d'un champ de bataille à l'autre. On le vit en Espagne. À Londres pendant le Blitz, en Afrique du Nord, en Sicile, en Italie, en Normandie, lors du débarquement où il fit partie des premières vagues d'assaut, en Hollande où son reportage avec les armées parachutées à Arnhem sont encore présentes à bien des mémoires. On le vit également en Russie, au Japon, en Corée et enfin en Indochine où sa carrière à 40 ans s'achève tragiquement.